pense, pour moi, c'est rien qu'un très grand hôpital. Je passe ma vie en isolement depuis qu'on dit que je suis malade. J'ai 16 ans, je m'appelle Lily, j'avais tout pour réussir. Un avenir dans la médecine, j'aimais les chiffres et les livres. Mais à l'école, je suis contagieuse, ils ne veulent plus que j'y aille. Les médecins ont dit, c'est mieux pour vous de rester au calme. Votre visage fait peine à voir, ils portent la souffrance pourtant. Moi j'ai l'espoir d'un jour épater la France, ce pays qui m'a vu naître. Moi je l'aime et le respecte, c'est pas de ma faute si j'ai dans le cœur un virus que lui rejette. C'est pas de ma faute si je vis en marge, c'est qu'on m'a mise à l'écart. Ils ne connaissent pas mon histoire, je suis victime de leur regard. Lily. Alors je vis dans ma bulle, au moins chez moi y a de l'amour. Mes copines m'apportent les cours le soir pour que je reste dans le coup. Elles ont crié à l'injustice, elles ont même fait des manifs, mais rien n'y fait. Je suis une cible, mais mon cœur est invincible. Je m'accroche, je reste moi-même. Ouais, je reste fière, j'ai mes valeurs, donc j'ai mes rêves de paix ou d'humanitaire. Dès que je sors, c'est l'horreur, je fais pitié. Je dérange, moi qui pensais qu'étant des leurs, je véhiculerais la tolérance. Mais non, bleus sont mes yeux, blanche est ma peau, rouge est mon sang. Mais pourtant, je me sens seule dans mon camp. Je me soigne avec des livres, je me soigne avec des mots, plus je guéris, plus je dérive, plus je péris aux yeux des autres. Lily. J'ai beau leur dire que je suis normale, que je suis entière, que je suis...